c'est une première depuis son découpage. La province du Lomami connaît à sa tête une femme gouverneure qui détient désormais la destinée de fille et fils de ce cinq territoires de la terre Louba. Yumba Kalenga Mushimbi, c'est d'elle qu'il s'agit. Née le 28 novembre 1979 à Kalalo, village du secteur Nkinda dans la province du Lomami, au nord du Grand Katanga. Elle est originaire du territoire des Bukama, mariée et mère de deux enfants. Yumba Kalenga Mushimbi est une femme animée toujours par une vision d'aller loin et de faire mieux dans son entreprise. Qualité motivée par sa formation scientifique, façonnée au niveau primaire à l'école SNCC de Kamina avant de poursuivre ses études humanitaires au complexe scolaire Le Berka de Lubumbashi où elle a obtenu son diplôme d'état en biologie et chimie en 1998. Elle ne s'est pas arrêtée là. Yumba Kalenga Mushimbi a poursuivi ses études universitaires à l'université de Lubumbashi à la faculté de médecine où elle a décroché son diplôme de docteur en médecine, chirurgie et accouchement. Ayant toujours le goût de faire mieux, Isabelle Kalenga Mushimbi a poursuivi nombreuses formations nationales et surtout internationales dans divers domaines. D'abord en santé, sur les femmes enceintes et femmes vivant avec le VIH-SIDA, adultes et maladies opportunistes. En douane et assises, sur le leadership et management. En matière électorale, sur le cadre juridique. Ses acquis et vertus scientifiques justifient son parcours professionnel. Yumba Kalenga Mushimbi a beaucoup travaillé et travaille encore pour sa patrie. D'abord en santé, elle a été médecin responsable et médecin chef de staff au centre médical de GDEA dans le Grand Katanga de 2010 en 2019. Médecin chef de service chargé de la prise en charge des infections opportunistes et personnes vivant avec le VIH-SIDA au programme de lutte contre le VIH-SIDA Grand Katanga, coordonnatrice provinciale de la dynamique de femmes candidates en RDC de 2018 en 2019. Sur le plan politique, elle a été élue en 2018 députée provinciale de la circonscription électorale des Kamina dans le Lomami, avant qu'elle devienne présidente de l'Assemblée provinciale, fonction qu'elle a assumée juste avant d'être élue gouverneur de la province du Lomami, les Sumé 2022. Yumba Kalenga Mushimbi est passée dans l'école politique du patriarche Tungwa Kumwanza au sein du parti Union nationale de fédéralistes du Congo UNAFEC, où elle est membre et vice-présidente de finances et logistique. Et maintenant, le destin l'a choisi pour tenir l'avenir du Lomami. Yumba Kalenga Mushimbi et cette mère que toute la population surnomme Lolo Ilolo. Le développement est sur son dos.